Anthony, ici victoire en SR au Rallye Sprint de l'Alom 2023. Comment s'est passée la course? C'est vraiment bien passé. La première, pas dire qu'on était un peu litige à des endroits, mais on avait été reconnaître au matin. Ça allait, mais il fallait faire attention quand même, qu'il gelait au matin. Alors, c'est jamais dans le bois qu'il ferait un peu humide et qu'il y a un peu de gel. Bon, on a fait un peu attention quand même. Mais après la deuxième, on améliore. Que 6 secondes, mais j'ai eu un problème qu'on est resté sur la ligne un peu et les pneus étaient froids et c'était pas facile au début de la spéciale. Mais là, on avait plus que 4 secondes d'avance. Comme Christophe, il avait perdu. On avait mis 22 secondes avant et puis il en a remis 18. Et alors, on se dit c'est foutu. Et puis, c'est dans la dernière. Je me suis dit au début, c'est foutu, mais il me dit on va quand même essayer. Et alors, j'ai attaqué comme il fallait et puis on lui a mis. Je crois que c'est 14 secondes ou 12 maintenant, alors ça va, c'est bien terminé. La suite du programme pour toi? Memorial Balou dans 15 jours. Allez, on va. Avec un nouveau copilote, un nouveau moteur qui avait 100 km, une Porsche que je connais à peine, en tout cas que je découvre tous les jours, ça s'est très bien passé, et avec le copilote, et avec les voitures, et avec la spéciale, donc on a appris spécial par spécial, donc ça s'est bien déroulé, pas de bosse, pas de coup, une très bonne entente dans la voiture, donc qu'est-ce qu'on veut de mieux, voilà. Que penses-tu du parcours ici? Bah, extraordinaire, comme les autres années c'était un peu plus court. Donc moi j'ai raté la dernière course et ici ils ont allongé à 22 km. Mais franchement sympa. On a eu le temps avec nous, froid, vent, mais sec, ça c'est important. On te revoit où? Normalement le Balou. Je vais essayer de faire une saison de rallye sprint à peu près complète cette année. Voilà. Et j'attends le moteur de ma Ford qui doit rentrer d'Angleterre. Il aurait déjà dû être là mais il n'est pas là. Voilà. Mm-hmm.
Super bien, première fois avec la voiture en rallye et franchement c'est super bien passé. On s'attendait, je m'attendais à un podium mais je m'attendais pas à une victoire donc on ne peut pas demander plus. Et vu que mon frère a gagné en RGT justement hier donc on a essayé d'égaliser les chronos. Que penses-tu du parcours ici? Il est pas mal mais c'est quand même fort rapide. Dans la dernière j'ai dû soulager un peu parce qu'on avait plus de frein au chicane, on n'avait plus à freiner. Bon, sinon c'était chouette. Suite du programme pour toi? Il y en a pas mal. En BRC, on va faire les Ardennes et les Wallonies. Et en ASAF, on en a quelques-uns. Il y a Gadisseur, HN, Contrusien, Semois, Mété. Donc il y a pas mal au programme. Je me suis super bien amusé. Ce matin, la première spéciale, on a eu des petits soucis de paramétrage avec le nouveau système de paddle shift, là, de vitesse au volant. Ça passait pas, je ne sais pas ce qu'il y avait. Donc deux, trois fois, j'ai eu des problèmes avec ça. Puis on a rattrapé un concurrent, on est resté, on a perdu à mon avis 10 petites secondes. Donc après la première spéciale, je me dis ça va être quoi pour un week-end. Et puis la deuxième, ça s'est bien passé. On a fait le scratch. Et la dernière ici, on a fait encore des petites modifications à la voiture, notamment en pneumatique parce qu'on était beaucoup trop gonflé. Donc on a remis des 21 là en Michelin. Et c'était le bon cocktail. Et là, la dernière, on a vraiment pris notre pied. On a eu une très très bonne pointe de vitesse. Et voilà, tout se termine bien. Beau petit rallye. On fait deux ou trois, je ne sais pas exactement. Mais c'était super positif en même temps pour préparer le sous-rallye. Je peux dire que là, on est prêt. On va encore faire deux, trois petites choses. Mais c'est bien, c'est de bon augure. On va dire que c'est une bonne course, on fait une bonne performance, on est assez content de nous. On a eu quelques petits soucis. Dans la première, on a été gêné avec une Porsche là. On a perdu dans les 10 secondes, mais bon, c'est pas grave. Deuxième, c'est nickel, on n'a pas été gêné. La troisième, un peu trop chaud, on fait une petite sortie. Et on est gêné avec une BM qui ne fait pas tant 10 secondes ou 5 secondes, je sais pas. Alors on est super content du résultat. On n'espérait pas tant vu le plateau et voilà, on verra l'année prochaine. Penses-tu du parcours ici? Oh, c'est un chouette parcours rapide. Quelques petites parties techniques, mais fort fort rapide et ouais, on aime bien ça, donc pas couper vraiment dans les longues lignes, dans les virages assez serrés, c'est encore chouette. Tu revois où après? Normalement c'est le Balou et Tenneville, je pense. Un mot à dire, exceptionnel, top, tout a été, la voiture, on vient de réviser le moteur et tout ça pendant l'hiver, donc tout est au top, franchement, voilà, on a pris un plaisir fou, on était une bonne bande, donc journée au top, rien d'autre à dire, ça fait longtemps qu'on n'avait plus gagné, surtout nous deux, donc c'est top. Pas trop piégeux ici à certains endroits.
Non, pas du tout. Le parcours était vraiment propre partout et pas de piège. On ne s'est pas fait peur et donc nickel. Comment ça s'est passé à la droite de Laurent ? Oh, vraiment bien, c'était vraiment gay. Maintenant, dans la première spéciale, pas beaucoup de signes aux gens parce qu'il fallait être concentré. Puis après, vraiment gay. Voir les gens malgré le froid qui faisait signe, c'était vraiment gay. On vous revoit où ? Après Australie avec Benjamin, puis on refait Tenville nous deux, et puis Bertrie avec la Maxi chez Sébastien Loeb. Donc voilà, ça c'est. L'année s'annonce très bien, je pense. Ah On a bien progressé le matin dans la première, on a fait un super beau temps dans la première, on a fait le deuxième temps, et puis on a amélioré les deux autres. Et voilà, on a fait qu'à d'améliorer chaque fois 2-3 secondes, et ça s'est super bien passé. Il fallait pas qu'on aille plus vite, je pense. C'était bien comme ça. Alors Thomas, comment ça s'est passé ici à la droite d'Anthony ? Ouais, super, comme il a dit, on a roulé toute la journée sur un bon rythme. On a amélioré, comme il a dit, à chaque boucle. Et fallait pas beaucoup plus. Et on est à notre place, on s'est bien amusé, entre amis. Et on a passé une belle journée, il faisait beau. Maintenant, on va boire un petit verre pour fêter ça. Hein. On te revoit où ? Moi, je vais rouler au saut, puis après, on verra. Toujours la même chose. Tant que la mécanique va, on enchaînera les rallyes et on verra. Coup par coup. Toi, Tony, on te revoit où ? Ici je vais faire le rallye sprint de Tenville et puis après je vais dire que je vais un peu rouler à la carte parce que je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Je ne sais pas. D'ici c'est Tenville pour le prochain et puis on verra bien la suite. Plutôt bien, oui, on a passé une super journée, bon malgré le froid, hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu chaud de la journée, mais on a passé une super journée, ça fait du bien de voir une arrivée, parce que bon, on n'avait plus tellement l'habitude, l'année passée on a eu beaucoup de déboires, après on est troisième, on est à notre place, bon là on roulait avec un petit moteur, donc devant ça allait vraiment fort vite, donc troisième on est satisfait, c'est le podium en général, donc on est content, et en plus de ça on venait sans vraiment d'objectif, puisqu'on venait préparer le South Belgium dans 3 semaines, donc on est plutôt satisfait, l'auto va bien, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Penses-tu du tracé ici ? Super tracé, oui, c'est vrai qu'on avait un petit peu peur au matin qu'il y ait du verglas, mais non, super, les routes bien sèches, très beau tracé, oui, c'est vrai qu'ils ont fait un nouveau tracé plus long, et non, super.